Bien. There'll be a day for dancing alone. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? Es-tu content d'être dans if la maison happy, de Dieu? Let us feel your presence. Si tu es here, content, nous voulons sentir ta présence. Let us feel your presence. Nous voulons sentir ta présence. With a shout avec un cri and a wave unto the Lord. Et tu se balances tes mains pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. Glory. Please be seated. Assoyons-nous. It has come to our notice that some people have been defecating behind the church. Some people have been pooing, shitting or poo-pooing behind the church. If it was the olden days, thunder would have struck you. Amen. If we were in the olden testament time, hallelujah. Please let us check our children. If they want to ease themselves, let them go far. Amen. Not just behind the church. It's very, very, very poor. Let us check it. And also, it has come to our notice that some of us, we waste water. Especially the bottled water. Some people pick it, they drink a little bit, and they leave the rest. The bottled water normally is for the pastors. Amen. So let us respect that as well. You don't waste the resources of the church. Amen. Quickly, we want to call up our sister Ivy, as she's coming with a clap offering to give us a song so that our father will take the pulpit. God bless you. Let's clap for her. Do it better. Hallelujah. We thank God for how far he has brought us through this fast. And we bless him for the grace he has given us. Amen. As the word of God is coming, I want you to prepare your heart. Make it ready for the word of God. Hallelujah. I am just preparing the way so that Daddy will come and give us the word. So as I sing, you pray along. Whatever you can do with the song I'm singing, you do it. Hallelujah. Lorsque je serai en train de ministrer, tout ce que tu veux faire, tu peux prier. Lord. Is there anything too hard for him? He is the Lord. He has said it. And surely he will do. Hold on to your faith, your confessions, all the days of your life, and you will see the hand of the Lord in your life. He is the Lord. Is there anything too hard for him? He is the Lord. What he has said, surely he will do it. Hold on to your faith, your confessions, all the days of your life, and you will see the hand of the Lord in your life.
when you stand against any trials which shatters all your dreams and smiles, and your footsteps are fully crushed. Hey, do not fear, for God is in control. Oh,
J'espère que vous êtes venu avec vos questions. Before we do any other thing, I want you to pray seated. Avant qu'on ne fasse toute autre chose, j'aimerais que tu pries étant assis. Is that okay? Est-ce bon? As you are seated, the keyboard and the drum is playing. Et comme tu es assis, le piano et la batterie sont en train de jouer. Have a reflection back to where you were. Look for that junction when you became born again. Ferme tes yeux et retourne là où tu étais né de nouveau. Aie une image, retourne à cette image là. As you get to that junction, thank God for it. Et comme tu arrives à ce niveau, tu remercies le Seigneur de t'avoir donné l'opportunité d'être né de nouveau. And make sure you declare you are free forever. Et assure-toi de déclarer que tu es libre à jamais. Okay. Journey. Appreciate it. Ça a été un voyage. Apprécie-le. He that the Son set free is free forever. Celui que le Fils a franchi est libre à jamais. As you do so, you contact
your evil ways and ask God to have mercy on you. Et comme tu es en train de faire cela, tu te rappelles aussi de tes mauvaises voies et tu demandes à Dieu de te pardonner. Make sure you pray. Make sure you pray. Assure-toi de prier. Sin will not have dominion over you. La Bible dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Sin will not have dominion over us. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. The Bible says, when the Spirit of God comes, it shall convict you or convict men of sin. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu sera là, il va convaincre tous les hommes du péché. Tonight you have come to the threshing floor. You have come to that place when God will separate the chaff from the wheat. Aujourd'hui, tu es arrivé à ce niveau où Dieu va séparer les fils des boucs. Allow the Holy Spirit. Permet au Saint-Esprit. The Lord will also speak to you as you are in this mood. Le Seigneur va te parler aussi comme tu es dans cette atmosphère. The Lord has been seeking for attention, for informing you. Le Seigneur voulait ton attention pour t'informer. Yeah. We have come to the fountain of the Lord. Nous sommes venus à la fontaine du Seigneur. We have come upon the mountain of the Lord. Nous sommes venus sur la montagne de l'Éternel. We have come to the celestial city of Yahweh. Nous sommes venus devant le trône céleste de Yahweh. Whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hey, arababababa, sekarakoses. We'll open heart.
There is an impartation. Il y a une impartation. There is a hand of God moving. Il y a la main de Dieu qui bouge. To touch mortal men. Pour toucher les mortels. And to make them immortal. Et les rendre immortels. Avail yourself. Rends-toi disponible. It takes God for you to be where you are now. Il a fallu que Dieu intervienne pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. It takes God. Il a fallu que Dieu intervienne. De Jésus, nous te remercions. Lord, we have come again. Seigneur, nous sommes encore venus. Show yourself in our lives. Révèle-toi dans nos vies. Direct us, Father. Guide-nous, Père. Deliver us. Délivre-nous. Help us to remain safe. Aide-nous à demeurer sauvés. Deliver from every deception of the time. Délivre-nous de toute tromperie de ces derniers temps. Lord, we ask peace to our soul. Seigneur, nous demandons ta paix dans notre âme. Peace into our soul. La paix dans notre âme. We have come. Put your hands together for Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Yeah, to the Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus. To the Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus. To the Lord Jesus. To the Lord Jesus. To the Lord Jesus. Jesus, to the Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus. Put those hands together for the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. As usual, you move to a sister and brother and make them welcome. Et comme tu bouges vers une sœur, un frère, souhaite-le la bienvenue. The song. Who in the congregation know the song? Chorus says. No, no.
my nation, all of creation, bow before the ancients of days. Everything in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O Lord, and your kingdom shall not pass away. Let's wait. Say to the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Clap, clap, clap. This is how we sing in Europe. Compared to your matchless word, sing to the ancients of days. Heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be. If you don't know the song, hum the song. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. Thank you. What we say, Vovo, le Vovo, may you shout this song. We were in 1990, you know. C'était dans les 1900, voilà. Some of you became born again. Ceux 2011. Qui sont nés de nouveau en 2000, 2001, 2002, on ne connaît pas. I will be shocked there are choristers here. They don't know who write this song. Je serais choqué qu'il y a des choristes qui ne savent pas comment écrire. I have a gift for you if you know it. Not you. Not you. Paulina said, don't win. You are owing me money, Paulina. Martina, who? You don't want us to believe in you. Barbara. Rosie. Please. No, don't lay inside. You're also owing money. You know. Benedita want to tell us. Oh, him a mercy. Who know the name? Yeah. Yeah, Rocky Nolly. Yeah. No. It's right. Ogbazia. You know, his songs were powerful. There's one he said, when you go to you pass, you go to hell, don't stop. You know those songs? Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. He had a song called Pressing Down, Shaking Together. Come back to you. I look at you. When do you become born again? Quand es-tu né de nouveau? En quelle année? Yeah, it is well. Tout est bien. Well, you are welcome. Please, let's help Evangelist Claude to get the standing microphone so that we have, like I told you yesterday, microphone be free. Yeah, pastors. There's one here. Yeah, Honore, take his own and be there.
Try your own water is coming. Thank you, Jesus. Give me some Jesus. Volume. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Well, you are welcome. Let's read something before we take the question. Are you prepared? Nous allons lire un verset avant de prendre les questions. Est-ce que vous avez préparé vos questions? If you are shy, you can make and we'll read it. Donnez vos questions au pasteur Harry, il va le lire, il va les. Et quelqu'un. They say they can't hear. People on Facebook, can you hear now? Facebook, we want to know if you can hear us. Ecclesiastes chapter 10, the verse number 8. Ecclesiastes 10, the verse 8. Facebook, est-ce que vous pouvez recevoir? Si tu es sur Facebook, nous voulons savoir si. This is low. Maybe we check the camera. This is still low. It's coming from the microphone. Should I change? Two. I think some of you should buy a microphone for us. Vous devez nous acheter des micros. Yeah, we want to know, is it okay now? Is it okay now? Est-ce que le son est bon maintenant? They say it's better. Now, if you're on Facebook, make sure you share quickly. Alors, as si we tu, go. Si tu es sur Facebook, partage rapidement le lien de la vidéo. Okay. So we are saying Ecclesiastes chapter 10, the verse number 8. Nous lisons dans Ecclesiastes 10, le verset 8. The Facebook page is Oasis of God TV. Can we? Barbara, but oh, you know, I could bring that money, you buy a microphone. See, I'm watching Selena. Selena, you can buy and sell your salary. Amen. We need microphones. Okay, can we read it now? Est-ce que nous pouvons lire maintenant? Okay, read. Ecclesiastes chapter 10, the verse 8. Ecclesiastes 10, le verset 8. He who digs a pit will fall into it. Celui qui creuse une fosse y tombera. And whoever breaks through a wall will be bitten by a serpent. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Amen. Now read a B for me again. Ecclesiastes chapter 10, the verse 8. He who digs a pit
will fall into it. And whoever breaks through a wall will be bitten by a serpent. The Bible says, whosoever breaks the edges will be bitten by a serpent. La Bible déclare que quiconque brise une muraille sera mordu par le serpent. Your safety is sure if you have not touched the fence that preserves or protects you. Ta sécurité est sûre lorsque, si tu ne touches pas les murs qui assurent ta défense. I think you should check the person, the prince. She's saying, how much is a microphone? Her name is Fakona Majo. Ah, Davi Ajo. Uh-huh. Me or Gefi Filai. Eh? Is that your sister? Where is she? Canada. Oh, Canada, she will buy it. Don't worry. We finish, we will get to you. Dominic said that's his sister. C'est la sœur du frère Dominique. Okay. Now, the Bible says when you break the edges, snake will bite you. La Bible déclare que lorsque tu brises la muraille, le... Yesterday, we mentioned a lot of things that give strength to the evil altars in our life. Et hier, nous avons touché beaucoup de choses qui donnent la puissance aux mauvais autels dans nos vies. Our saying that sin is that which feed the evil altars of our house against us, even though we are Christians. Et j'ai dit aussi que le péché est la chose qui nourrit les autels maléfiques de nos maisons contre nous. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the Bible says, "When you are in Christ, you are a new creature." Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. The Bible says, "Behold." All things are passed away. Voici, les choses anciennes sont passées. Meaning that the old thing must not reach you. The old thing between you and your former things, there's no relationship anymore. Cela veut dire que entre toi et ta vie passée, il n'y a plus de relation. But we are seeing that in reality, even though we are in Christ, even though we are at time, men and women of God, there are things of our house that is still blocking and affecting us. And the question is, why is it possible? Why is it possible? Because of what? Sin. Étant homme de Dieu, étant servant de Dieu, nous voyons dans la réalité que ces choses nous touchent encore. Pourquoi? À cause du péché. Martin Luther says something concerning sin. Martin Luther a dit quelque chose par rapport au péché. He says sin is essentially departure from God. Il a dit que le péché est essentiellement séparé de Dieu. Meaning that a Christian that commits sin wants to live away from God. Cela veut dire que tout chrétien qui commet le péché veut vivre loin de Dieu. Another man, John Milton, he said, "Laws can discover sin, but not remove sin." Une autre personne a dit que la loi peut découvrir le péché, mais pas ôter le péché. Laws can discover sin, but can't remove it. Les lois peuvent découvrir les péchés, mais ne peuvent pas les ôter. The laws of our constitution can discover sin. Les lois de nos constitutions peuvent découvrir le péché. We have seen people descend to prison, but when they return from prison, they became worse than where how they were before. Nous avons vu des gens qui ont été condamnés et qui ont été renvoyés en prison, mais au retour, ils étaient plus pires qu'avant. It's only the blood of Jesus that take away sins. Seul le sang de Jésus ôte le péché. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. So tonight, as we say a lot of things yesterday. Alors hier, comme nous avons dit beaucoup de choses. You are invited today, and I think one of the sins I was dealing with yesterday before we close was secret sin. Hier, le péché qu'on touchait avant de partir, c'était les péchés secrets. Secret sin fall into what? Immoral sins. Et on a dit que les péchés secrets, ce sont les péchés immoraux. Like masturbation. Comme la masturbation. Witchcraft. La sorcellerie. You know, things happen, you know. We, because we are pastors, we meet a lot of things, we hear a lot of things, and we see a lot of things. Parce que nous sommes pasteurs, nous rencontrons beaucoup de choses, nous écoutons beaucoup de choses, et nous avons vu beaucoup de choses. I was in Liberia after I preached.
When I preached, we all departed, and a man called that he wanted to see me. J'étais au Libéria. Après avoir prêché, un homme est venu et dit, il voulait me voir. When he came, he said, Pastor, when you were preaching, were you talking to me or you were just preaching? Elle a dit, parce que quand vous prêchez, est-ce que vous me parliez ou bien vous prêchez? And I don't know him from Adam, neither from Eve. Et je ne le connaissais de nulle part. So the message was directly to him, like somebody has gossiped to me concerning him, you know. Et le message était and through direct. The night, it was not okay. Le message était personnel à lui tellement au point où il disait, ah, est-ce que quelqu'un est parti lui dire? Et il est venu me voir. So he called for a meeting and we met. Ah, il m'a appelé en réunion, on s'est rencontré. In a meeting, he said, Pastor. Dans la rencontre, il a dit, Pasteur. I was working somewhere powerfully. Je travaillais quelque part. But I fall in sin. Mais j'étais tombé dans le péché. I went behind my wife. Je suis parti, j'ai été infidèle à ma femme. And as we talk with her, now we all have put finger on his problem that when he fell into the sin, that's how he lost the job. Après avoir parlé, nous tous nous étions d'accord que ah, c'est parce que tu étais tombé dans le péché que tu as perdu ton travail. He's living the consequence of sin. Il était en train de vivre les conséquences du péché. So I asked him, he asked me that, so Pastor, what's the way out? Et il m'a demandé, Pasteur, comment sortir de là? At this point, the only thing he wanted to have is to get his job back. Et là, à ce niveau, ce qu'il voulait, c'est seulement retrouver son travail. So I said, yes, the first thing is to repent. Il a dit, ah, la première des choses, tu dois te repentir. And he was cool with that. Et il était d'accord avec ça. Till I said something. Jusqu'à ce que je ne dise quelque chose. I said, man, et dit, ah, monsieur, the first thing is to repent. La première des choses dont tu dois te repentir, ask God to forgive you. Et tu vas demander à Dieu de te pardonner. But you must go to your wife. Et tu dois aller vers ta femme. And tell your wife that you went behind. Ah, et tu vas dire à ta femme, ah, ma femme, j'étais été infidèle. Guess what? He shouted, Jesus! Il a crié, Jésus! And because of ministerial ethics, I couldn't have laughed. I from my face the watch him. À cause de l'éthique ministérielle, j'ai pas pu rire. Je le regardais juste. Laugh, mais dans mon cœur, j'ai ri et j'ai regardé ce monsieur. He said Jesus. Il a crié Jésus. He said Pastor. Il a dit Pasteur. My wife. Ma femme. So I said, how can we be afraid of your wife more than God? Comment peux-tu avoir peur de ta femme plus que Dieu? So I said, okay, don't worry. Il dit, okay, ne t'inquiète pas. I can help you. Je peux t'aider. So that I talk to your wife. Pour que tu puisses parler à ta femme. The only thing you have to do, bring her to my meetings. La seule chose que tu dois faire, c'est l'amener à notre programme. If I see her face, there's a message I'll preach. Si je vois son visage, il y a un message direct pour elle. Everything will be fine. Tout sera réglé. When the man say you see. Up to now, I didn't see him. Ben, il a dit, ok, d'accord, on va voir. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus revu. But this is a leader of a group of a church, in a church. Mais ce monsieur est un leader, un responsable de l'église. There's something that catch up with him and the thing came through sin. Il y a quelque chose qui s'est attaché à lui et c'est venu au travers du péché. So normally, the evil authors of your house have no influence on you if you don't break the edges. Alors normalement, les mauvais hôtels de nos maisons n'ont pas d'autorité sur nous jusqu'à ce qu'on ne brise le mur. Tonight, the Holy Spirit will help us. Cette nuit, le Saint-Esprit va encore nous aider. I have known sin before and I know the life I'm living now. This is the best life. You are at peace. You are not afraid of anything. You take things easily. When you sleep, you sleep. J'ai connu le péché et la vie que je vis maintenant, j'ai vu la différence. Tu es en paix. Et quand tu es loin du péché, tu as la paix. And two. Et deux. Il y a certaines choses qui ne t'irritent plus. There are some things you yourself you know I've been taking. No, it's the grace of God, but I've been taking. It's not that I'm going to woo a woman, talk to a woman, make an appointment. C'est pas la grâce de Dieu. Slavery. I don't know je how suis là, je pense, ah, c'est maintenant que je vais aller courir derrière. We change numbers. Donner rendez-vous, on échange les numéros. Hello, hello. Allô, allô. Can we meet here? Est-ce qu'on peut se rencontrer ici?
The devil himself know that that one, and to the sin, she will remove her scarf. She will remove her first top, the first layer, second layer. On va commencer par se déshabiller. Get to the holiest of holies. On va aller au lieu très saint. Yesterday, Honore, when we were going home, there's a man that midnight to one left his house, opened the gates, bagada. I don't know, he opened the gates. Hier, lorsqu'on rentrait à la maison, il y a monsieur qui a ouvert sa porte. And was half naked. Il était almost in the nu, bush making call. Dans la, Honore said, Pastor, your message you preach today, this was happening. Le message que tu as prêché aujourd'hui, voici ce qui se passe là. Nice fence house. Il avait une jolie maison avec des murailles. But he came out half naked. Mais il est sorti de la maison à moitié nu. What are you saying that you can't say in the house there? Que dis-tu que tu ne peux pas dire dans ta chambre là-bas devant ta femme? I heard the story of this man who was bathing. De ce monsieur qui se lavait. And forgot his phone. Et il a oublié son téléphone dans la chambre. As he was bathing. Et lorsqu'il était en train de se laver, il a entendu son téléphone sonner. With the fear. Avec la crainte. That the wife will pick the call. Que sa femme va décrocher le téléphone. He forgot about himself. Il a oublié qu'il était with nu. The soap on him. Avec la mousse. And ran. Il a couru pour rentrer dans. Enter the hall. Il est rentré dans le salon. And the children were there. Et les enfants étaient là-bas. Hey, daddy. Papa, regardez papa, regardez papa. There's a rat in the leg of daddy. Yeah. I got my brother. Look at the way she laughed. Like, now, since disgrace, le péché déshonore. I hear another man. He forgot. He went to the bathhouse, used the phone like a soap. Un autre, il a oublié, il a utilisé son téléphone comme si c'était le savon. He put it into the water before. Ah, il a mis le téléphone dans l'eau avant de se souvenir que ah, c'était le téléphone. May the Lord deliver us from sin. Que le Seigneur nous délivre du péché. There are church members when I hold their phone, they start having epilepsy. Il y a des membres de cette église quand je prends leur téléphone, c'est là que leur épilepsie se déclenche. They'll be doing like this, like. Say one day. Dis un jour. One day, Pastor Harry wanted to do some cocosan to me. Un jour, le pasteur Harry voulait est venu faire un petit commérage. But that time, he didn't marry Anne. En ce moment, il n'était pas encore marié à House of Mommy Anne. But he exposed himself. Mais il s'est exposé you lui-même. You know the way we do screen. Quand on fait la capture d'écran. You know the way people save. They are in the thing. You know the way people do it. Et la façon dont on met les photos en fond d'écran. When he snapshot the thing. Quand il a fait capture d'écran, he was giving me information, il me donnait des informations. But I'm getting information on him. Mais j'ai eu l'information par le concernant. I saw him and take a picture. Why I've not married them? Je l'ai vu avec la sœur Anne prendre une photo lorsque je ne les ai pas encore mariés. Waiting the inside your phone. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? They say, open up the bubble, the bone of you, but give me. Si tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de ton frère. When you bend down, there was somebody's quand tu anus. T'abaisses pour regarder l'anus de quelqu'un. Pour toi, être dehors, c'est tout le quartier qui regarde. So at that point, the information was given does not matter. À ce niveau, l'information qui me donnait n'importe plus. Maintenant, c'est ce que j'ai eu de lui maintenant qui est l'information majeure. At time, it's okay. Just leave your sister to live his life, because when you see a sin in a person. Instead of pointing a finger, be pointing yours. Hey, which one did I have? Des fois, c'est mieux de laisser ta sœur vivre sa vie, parce que lorsque tu seras en train de le montrer du doigt, tu vas te poser la question. So this is what sin has been doing with us. Voici ce que le péché nous fait. Sin is connecting us back to the evil altars. Et le péché nous connecte aux autels maléfiques. Yeah. So tonight we want to take questions from you. Alors cette nuit, nous allons prendre des questions de votre part. Brother Honore started with a question yesterday. Et hier, le pasteur Honoré avait commencé avec une question. He said, if you go into a harlot. Il dit, si tu pars chez une prostituée. Yeah, get to the microphone. Okay. Alléluia. Amen. My question is, question if you have been with a prostitute. Si tu as été avec une prostituée. How do you go about it? Comment so that you pray and you not pray amiss. Comment est-ce que tu vas régler cela pour que lorsque tu iras prier, objectif? Now the question that will be asked is,
when you went to the prostitute, lorsque when tu parles as a Christian or as non-Christian? Étant chrétien ou non chrétien? I was a believer, but en ce moment j'étais un croyant, mais je ne vivais pas la vie d'un croyant. He said, I was a believer. Which believer? The Broadway. Yeah. Now, you know, there's something about God we all have to know. Il y a quelque chose qui. God's law is not a respecter of a person. La loi de Dieu ne respecte personne. God does not wait for you to be born again before his laws catch up with you. Dieu ne va pas patienter que tu naisses de nouveau avant que sa loi ne s'applique à toi. When God said, "Thou shalt not steal," even if you are not born again, you steal. His laws is against you. Ce que Dieu dit, tu ne dois pas voler. Même si tu n'es pas né de nouveau, tu voles. La loi s'applique à toi. Now, when we see in the Word of God, the Bible says, "He that joined with a harlot is one with a harlot." La Bible dit que quiconque se joigne à une prostituée devient une seule chair avec elle. It does not matter how huge you think the sin is, how deep the sin is. One of the first steps is to recognize that you have sinned. Peu importe comment grand et profond est ce péché, la première des choses que tu dois faire, c'est reconnaître. When you recognize that you have sinned, then you are on the way to get your sin away from you. Lorsque tu reconnais le péché, alors tu es sur la voie d'être sauvé de ce péché. Some people have some religious way, that is, they haven't recognized the sin, but they are asking God to forgive them. C'était une façon religieuse de faire la chose. Ils n'ont pas reconnu le péché, mais ils demandent à Dieu de les pardonner. Now, why you have to recognize the sin first? Pourquoi dois-tu reconnaître le péché en premier? Because there are two distinctions between repentance. Some people have the head repentance that is not in the heart. Parce qu'il y a deux différences, deux types de repentance. Il y a la repentance que tu fais dans ta tête, mais pas avec le cœur. Now, others also, they are saying sorry, they are saying God forgive me because they were caught or they catch up. Et d'autres, ils disent, ah, pardonne-moi Seigneur, aie pitié de moi parce qu'on les a attrapés. But the best way is have this repentance that is in the heart, not in the head. Et la meilleure façon, c'est d'avoir la repentance du cœur et non la repentance de la pensée. The repentance in the head level satisfies your emotions. Quand tu as la repentance dans tes pensées, ça satisfait juste tes émotions. Many people think that how long they have committed the sin means that the sin is over. They believe that the age the sin chop with them. Let's say you committed a sin 10 years ago. So this is my year, it's a long time. They believe that, okay, since it's a long time, the sin itself evaporated away. Certains pensent que, oh, comme le péché a duré, c'est 15 ans maintenant où le péché s'est évanoui, donc Dieu ne se souvient plus de ça. So first you have to accept, recognize that you have sinned. La première des choses, tu dois accepter et reconnaître que tu as péché. Number two, you must recognize who you have sinned against. Et la seconde chose, tu dois reconnaître contre qui tu as péché. Now when I say this, some people say, "Baby, who do we sin against?" Certaines personnes vont dire, ah, à qui est-ce qu'on pêche contre? Is it not God? Ce n'est pas Dieu. But this is where we make a mistake. Mais c'est là où nous faisons l'erreur. Every sin is against God. Tout péché est contre Dieu. But some of the sin that is against God is also against a man. Mais certains des péchés qui est contre Dieu est aussi contre un homme. If you stole my phone, si tu voles mon téléphone, you sin against God. Tu as péché contre Dieu. But you have sinned against me. Mais tu as aussi péché contre moi. As you are asking God to forgive Et you, comme tu demandes à Dieu le pardon, you have to come to me as well. Tu dois venir aussi vers moi pour le même pardon. Does it make sense? Est-ce que cela a du sens? No, please, I want to know. Does it make sense? Est-ce que vous avez compris? Now, as you recognize the person you have sinned against, lorsque tu reconnais la personne dont tu as péché contre, the first one that is to be touched, that is with God. La première chose que tu dois faire, c'est d'aller vers Dieu en premier. God, I've sinned against you. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. And deal with it with God. Et tu règles avec Dieu. As you are doing that, maintenant, quand tu es en train de faire cela, you are reaching the man. Tu vas aussi vers l'homme. Is that okay? Est-ce clair? We call it restitutions. Et nous l'appelons la restitution. There's a vertical repentance and there's an horizontal
repentance. Il y a la repentance verticale et la repentance horizontale. A lot of people have their vertical repentance without touching their horizontal repentance. Et beaucoup ont la repentance verticale sans toucher l'horizontale. We ask God to forgive us. Like for instance, if you take my bag. Par exemple, tu as pris mon sac. And you just go to God, God. Et tu vas me dire, oh Dieu. I've done it again. Oh, je l'ai encore fait. God says yes, you have done it again. Dieu dit oui, tu l'as encore fait. But go to Kokuvi and tell him that I took your bag. Retourne chez Kokou pour lui dire, ah, c'est moi qui ai pris le sac. Are we in church? Est-ce que nous sommes à l'église? Okay. Now, brother Honoré, now, how would that sin be of him? Le pasteur Honoré maintenant, comment est-ce que ce péché sera ôté de lui? Now the question is, who does it fall onto? La question est, avec qui est-il somebody tombé? Open Ecclesiastes 3, 14, 15 as I'm talking. Nous allons lire dans Ecclesiastes 3. If brother Honoré is living with, let's say me. Disons que le pasteur Honoré vit avec moi. Or even if he doesn't live with me. Même s'il ne vit pas avec moi. I'm in his life as his father in the Lord. Je suis dans sa vie étant son père dans le Seigneur. Honoré cannot only deal with the sin with God. Honoré ne peut pas traiter le péché avec Dieu seul. He have to come before me. Il doit venir devant moi. Are we all together? Est-ce que nous sommes ensemble? Say, Lord, I plead the blood over my head. Dis, Seigneur, j'invoque le sang sur ma tête. Say, Holy Spirit, help me. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Now, so Honoré have to open it up to the person he's staying with or the person who have an authority over him. Alors, le pasteur Honoré doit venir s'ouvrir à la personne avec qui il habite ou bien quelqu'un qui a l'autorité sur lui. That's the perfect way to repentance and to take your sins away. Et c'est la meilleure façon pour la repentance et d'ôter le péché loin de toi. Is that okay? Est-ce clair? If Honoré have a wife, si le pasteur Honoré avait une femme, your pastor must know and your wife must know. Ton pasteur doit savoir et ta femme aussi doit savoir. Gangam. Yeah. Use the microphone. Please, I'm tempted to ask, who is a harlot? Je suis tenté de poser la question a qui est une prostituée. Oh. Okay. Now, when we say harlotry, quand on parle de la prostitution, having sexual intercourse with multiple men, c'est avoir des rapports sexuels avec différents types de partenaires, a certain financial return. Pour un gain en retour. For a certain benefit, mostly financial. Tu as des rapports sexuels avec différents partenaires. But all the same, I was having that thought 2 days ago, I believe. J'avais cette pensée il y a 2 jours de cela. There are people who are not on the roadside collecting money from men to sleep with them. Il y a des gens qui ne sont pas au bord de la route prenant l'argent avec les hommes pour coucher avec eux. But they are in the same category as the people who collect money. Mais ils sont dans les mêmes catégories comme ces ceux qui prennent de l'argent pour le sexe. Now, the spirit of harlotry, l'esprit de la prostitution, is a demon. C'est un démon. All those sisters you see like this evening on the roadside, c'est ce que nous verrons ce soir sur la route. There's a spirit that rules them. Il y a un esprit qui les contrôle. One day we were in the car about 6-7 some years ago. Il y a des années en arrière, on était dans une voiture à 7 ou bien à 6. We were to post, we were doing a program, so we were in the night pasting the program. On avait un programme, alors on était en train de mettre les affiches. Pastor Christian, were you in the car? Now, so there's a brother we call Theophilus. Il y avait un frère qui s'appelait Théophile qui était avec nous. As we're pasting the thing, et lorsqu'on mettait les affiches, an area, on est arrivé dans un quartier there are a lot of prostitutes. Où il y avait beaucoup de prostituées. But one with brother that day, she doesn't have any market. Et l'une d'entre elles, on a réalisé le jour là qu'elle n'avait pas eu de clients. So the brother said, ah, Moody,
He called me D.L. Moody. Alors le frère, dans le temps, il m'appelait Moody. Alors il a dit, ah, Moody, il y a une soeur ici, allons. So when she saw the car, she started running. Et quand elle a vu notre voiture, elle a commencé par courir derrière la voiture. So brothers, they told her that et les frères we lui ont dit, six, ah, nous sommes 6 ou 7. Hein? I think how much they want to pay, 40 Ghana, I can't remember now. Et combien on voulait lui payer dans ce temps-là, c'était 4000 CFA. She said she's ready. We say everybody will pass. Elle a dit, say, yes. Oh, je suis prête. Elle dit, ah, c'est tout le monde qui va coucher avec toi. Elle dit, oui, je suis prête. Finally, the brother have to get down from the car, talk to this girl. À la fin, le frère est descendu de la voiture et a parlé avec la sœur. If my man serve me right, we even give her money. But she said, are you people going? Like, there's a spirit. Now, that spirit doesn't want to waste her alone. She has been wasted already. That spirit is an embassy. It's a factory. Je me, si mes pensées ne me trompent pas, je me rappelle, on lui avait donné de l'argent. Lorsqu'on partait, il dit, ah, vous partez. Donc, il y avait un esprit. It's a worship that must be given to Satan. Et c'est une adoration qui doit être donnée au diable. If you like it, this evening. Si tu veux, cette nuit. I can just carry you around. Je peux vous prendre. On va commencer par se promener autour. And let's share money to fight for them. Nous allons leur donner de l'argent à 5 d'entre elles. Give them monies that can even buy a car. Donnez-leur de l'argent qui peut acheter une voiture. When you turn your back, they'll come back to the road. Quand tu tournes le dos, elles vont revenir sur la route. So you are not when you say you slept with a harlot or a prostitute, you are not sleeping with a man, you are sleeping with a demon. Alors quand on dit que tu as couché avec une prostituée, tu ne couches pas avec un être humain, mais c'est avec un démon. You can harm the spirit of prostitution. But you are not in the office. Tu peux avoir l'esprit de la prostitution, mais tu n'es pas dans le bureau. You are the office, that's the roadside one. Et quand on parle du bureau, c'est celles qui sont au bord de la route. But the spirit is with you. Mais l'esprit est avec toi. That you are not in control. He control who sleep with you because it's an agent. You know, he needed that one, like the connection between Ahab and Jezebel. You must have a taste of that thing so that you can be a perpetual slave for that thing. And it's very contagious to the extent that you don't go once and you are okay. La prostitution est tellement contagieuse que tu ne vas pas une fois et tu es satisfait. Non, tu dois continuer. If you have a taste of it with a Jezebelic or an anointed agent as a prostitute, what goes on with you later is like you have some of the deposit and that follow you. That's why you hear somebody rape a child. It's the spirit making you rape, but the person have a foundation with a woman that is a harlot, with a woman that is a prostitute. And that prostitution is not only with women, we have men also. La prostitution n'est pas seulement avec les femmes, mais il y a aussi des hommes dedans. And that's why my pastors, I beg you. C'est pourquoi mes pasteurs, je vous en there's prie. There's a way a pastor should dress. Il y a une façon dont un pasteur doit s'habiller. When you dress, you must not show body, the sensitive part of your part, like quand tu the t'habilles, arms. Tu ne dois pas montrer les parties sensibles de ton corps, par exemple les biceps. You know, when I said that, a lot of people in your mind, you know who you are thinking of, Paco. Quand je dis cela, beaucoup de personnes les pensent like vont me. Sur le pasteur Paco. Ah. Soyez comme moi. Just be like me. Yeah, Pastor Paco, we wanted to tell him. Just be like that. And you are watching me, but vous me regardez, mais dans votre pensée, Pasteur. Now, when you do that, quand tu fais cela, you are bringing a strange fire. Tu amènes un feu étranger. Your mind is not there. Ta pensée n'est pas là-bas. But you are making it difficult to concentrate on Yahweh. Mais cela sera difficile pour toi de te concentrer sur Yahweh. That's why there are some guys. C'est pourquoi il y a des certains jeunes hommes. They have not proposed to you. Ils ne t'ont pas proposé. But they slept with you. Mais ils ont couché avec the toi. The same spirit is leading them. Le même esprit les conduit. It's a spirit that slays men and women of God. C'est un esprit qui détruit les hommes et les femmes de Dieu. There's this sister was singing in one of the biggest church in Accra. Sœur qui chante dans une des grandes églises ici à Accra. David have to tell us this story. Et c'est le frère David qui m'a raconté l'histoire.
They were in the studio where they do music. Ils étaient dans un studio où on fait les enregistrements des chansons gospel. This lady will come. La sœur vient. The drummer will sleep with him. Qui joue à la batterie couche avec elle. The pianist. Le pianiste couche avec lui, avec if elle. A conchalist. S'il y avait quelqu'un qui joue one day, à la percussion. They had finished. Et un jour, ils ont terminé l'enregistrement. It's not a film. C'est pas un film. And they have to call another guy who was not there. Et on devait appeler un frère qui n'était pas là-bas. Oh boy, where are they? Ah frère, tu es où? Something they hear. Ah, il y a quelque chose ici, hein? So that one also leave house with condom. Alors le frère aussi a quitté la maison avec un préservatif. But she will finish and go back to church. Mais elle va. And she's singing in the choir. Elle va terminer et retourne à l'église pour chanter. When you watch the church, you look at their testimony like God is there. Quand tu vas dans l'église, si tu écoutes les témoignages, c'est que Dieu est là-bas. So it's a spirit that possesses people who are not only on the roadside. You can be in the church, you can be in the marriage, you can be anything. Hear me and hear me very well. Écoute-moi très bien. You can have an extension of that spirit. You can be an extension of that spirit. Tu peux être une extension de cet esprit. At this point, nobody would like me to use it for example. Personne ne va aimer que je l'utilise comme exemple. I wish I have some chobi here. But you see, when you sleep with a prostitute, the Bible says you are becoming one. Quand tu couches avec une prostituée, la Bible dit que vous êtes devenu une seule chair. Now, if Honoré leave the prostitute. Si le pasteur Honoré laisse la prostituée with another lady, et va forniquer avec une autre sœur who is not a prostitute, qui n'est pas une prostituée, Honoré now is a connection between the prostitute and that lady. Alors le pasteur Honoré est la and connexion the lady is on the side, entre la prostituée she's et la sœur. Behaving like la the sœur prostitute. Cette sœur maintenant n'est pas au bord de la route, mais elle se comporte comme une prostituée. Think about it. Pense à cela. Sexual sin is the last card when the devil put it on the table. He kill more. Le péché sexuel c'est la dernière carte que le diable joue quand il le met sur la table, il tue plus de personnes. You know when you have rashes. One of the things that kill rashes is not the medicine, no. It's to empower your mind not to touch it. Quand tu not to as scratch des it. Démangeaisons. Ce n'est pas le médicament qui arrête ça, mais c'est dans ta pensée que tu commences le if fait you de are résister. Scratching and applying the medicine, it will not go. Quand tu commences par te gratter et tu mets la pommade, ça t'est pas. Like et le péché sexuel est comme cela. The thing is to kill you. La chose, c'est pour te tuer. But you are scratching it. Mais comme tu es en train you are creating de gratter, a sore and a wound. Tu es en train de créer la plaie. But it suit you. Et ça te, mais ça, tu ne peux pas arrêter. It c'est go, délicieux. It you. Oh, c'est délicieux. Tu continues à gratter. It go, it tu, ça te met it à l'aise. It go, it tu grattes. Boys, let's tell ourselves the truth. Frère, disons-nous la vérité. I know men who sleep with women when they finish they carry soap and masturbate. Je connais des hommes quand ils finissent de coucher avec des sœurs, ils vont se masturber après. So the thing is not the person, it's the demon. That's why when I'm driving and we see them, I've been telling brothers, this thing you see that this is hell walking, you know? Hell, hell. C'est pourquoi quand on conduit, je suis avec les frères, on voit une et dit, ah ça c'est l'enfer, hein, c'est l'enfer. Proverbe 7:7. Proverbe 7. Look at what one question is doing to us. Une seule question, regardez là où il nous amène. Proverbe 7:7. Proverbe 7, le verset 7. Are you there? Est-ce que nous sommes là-bas? Sommes-nous là-bas? Proverbe 7. No, take it from 6, you know. Lisons à partir du verset 6. When I read Proverbs 7, when I get to a place, there's a display of foolishness. You know? Let's see what happened. Suivons ce qui s'est passé. Verse 6. Proverbs for 7, verset 6. For at the window of my house. Take it from 5. Lisons à partir du verset 5. That they may keep you from the immoral woman. No, your Bible is not. Yeah, read yours. Yeah.
You know, there's another name from harlotry and prostitution. Il y a un autre nom pour la prostitution. We call it strange woman. Nous l'appelons la femme étrangère. Strange woman. La femme étrangère. So that strangeness. Alors cette It's a character that is not only on the roadside. C'est un caractère qui n'est pas seulement au bord de la route. Somebody can marry by you a strange woman. Quelqu'un peut se marier mais être une femme étrangère. Somebody can be in the church by you a strange woman. Quelqu'un peut être dans l'église mais tu es une femme étrangère. When you are a woman that your confidence is on in your breast, you are a strange woman. Si tu es une femme et ta confiance est dans tes seins, tu es une femme étrangère. If you are a woman, your confidence is your how do you call that thing last time? Portos or bonbons. Si tu es femme et ta confiance est dans tes fesses, tu es une femme étrangère. The only thing. La seule chose. One guy says, "Midina, midina, you know, ozu, ozu, eh? Midina na so portos e na e be like." You remember the. My famous story, a Biekia. I told you that this. Je vous ai raconté l'histoire de. This brother that frère, we were in my brother's church. On était tous dans l'église de mon frère. Dating a lady. Et on était en relation avec une. Il était en relation avec Koya une sœur. Une sœur dans le groupe musical. And finally, they agreed to part way. Et à la fin, ils se sont mis d'accord. And they had a meeting actually in his room. Et ils ont eu la réunion dans sa chambre. And the lady was going around. Et la sœur passait. When this our brother. Quand notre frère. After they agree, oh, go your way, let me go my way. Après qu'ils se sont mis d'accord, ah ok, va, passe ici, from je passe là. From his bedroom to the hall. De la chambre au salon. He watched the back of the girl. Il a regardé le derrière de la sœur. He forgot himself. Il s'est oublié. And ran after the girl. Et il a couru derrière la sœur. And touched the bumps of the girl. Et il a touché les fesses de la sœur. I even called Portos Egbi. Et les éveils, en éveil, les fesses, on l'appelle Egbi. So he landed. You know that, you see that cartoon film where the zebra and the lion, they were friends. Once in a while, the lion forgot himself. He won't, who's, that image. Madagascar. When he jumped on it. Yeah, ce dessin animé. When he said Egbi Ekia. Le lion and the et sister le zèbre sont le frère, quand il a vu le derrière, il a dit, hey. Wham! You say you don't want me. Il est parti sauter sur les fesses de la sœur. Dit, hey, voici les fesses. Et la sœur l'a giflé. So strangeness. Alors, is a spirit. La femme étrangère est un esprit. You find it with the prostitute on the roadside, and you find it with people who are not on the roadside. But you know, Huba have make it easier for people to join the prostitute. Huba a fait que beaucoup ont rejoint la prostitution, a facilité la chose. So read, let's see this guy here. Lisons, regardons ce frère ici. Chapter 7, verse Proverbe 7, verset 5 à 7. That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. Here, écoute. When we pass where they are, some of us we know. Quand nous passons là où elles sont, they have named the call. Il y a un nom qu'on leur appelle. Who can tell me? Qui peut me dire cela? No, they call you. C'est elle qui t'appelle. Hein? Besides, they have words. Oh, brothers, ils ont help des paroles. Me so that I can preach well. No, last time, somebody approached Prince. La fois passée, il y a une qui a approché le frère. Et no, le, when they see car, they come like they are selling toffee. Quand ils voient une voiture, elles viennent comme si elles vendent du bonbon. The way the pure water seller say, la façon dont la sœur qui vend l'eau vient, c'est de la même façon qu'elle vient aussi. You see, if you understand this thing, si tu comprends ces choses, you don't need anybody to tell you to dress well. Tu n'as plus besoin de personne pour te dire de bien t'habiller. Because according to God, prostitution is not only having sexual intercourse. Prostitution even goes to the way you dress. Avec Dieu, ce n'est pas seulement le rapport sexuel, mais c'est par rapport aussi à comment tu t'habilles. So in the Bible, we see very soon that there's a dress of a harlot. Et dans la Bible, il y a un accoutrement pour la prostituée. And two, et deux, the place you sit and the place you stand
also define your prostitution. Le lieu où tu t'assois et où tu t'arrêtes définit aussi ta prostitution. So the man was counseling his son, said, "Don't go to the way of her." Alors le monsieur conseillait son fils, ne va pas sur la voie de la femme étrangère. Go ahead reading. For at the window of my house, I looked through my casement and beheld among the simple ones. I discerned among the youth a young man void of understanding. Every guy say, "Oh God, help my understanding." Tous les hommes disent, "Oh Dieu, aide ma compréhension." Anyone that gets to her, toute personne qui va vers elle va manquer de connaissance ou bien de compréhension. Another word for that, you are a fool. Un autre mot pour cela, tu es un idiot. This man was at the window observing. That ce is monsieur God. Était à la fenêtre pour regarder et c'était Dieu. So what make you fool or make you foolish? Ce qui te rend insensé ou bien is idiot, your action, your decision. C'est tes actes et ta décision. C'est as I look among the simple. Il a dit lorsque j'ai analysé parmi there les simples, was a youth. Il y avait un jeune homme. Who have no knowledge. Qui n'avait pas de connaissance. Let's go. A young man void of understanding, passing through the street near her corner, and he went the way to her house, in the twilight, in the evening, in the black you know, and dark night. What time they come out? À quelle heure est-ce qu'elle sort? In the twilight. You know, prostitution is as old as Bible. La prostitution est vieille comme la Bible. The man by which the Savior will come, Judah, the devil has planted prostitution on his way. L'homme de qui through Jésus what venu, incest, le diable a placé la prostitution sur sa voie par le sexe. With his own daughter-in-law. Il a couché avec sa belle-fille. But here, mais écoute, how did he manage to sleep with his mother, son, daughter-in-law? Comment a-t-il fait pour coucher avec he was thinking sa belle-fille? He's going into a prostitute. Il pensait aller avec une prostituée. Meaning that he has been traveling to town to do it. Cela veut dire que il le faisait depuis voyager de ville en ville pour le faire. If it's not his attitude, how will he get to her? Si ce n'était pas son attitude, comment est-ce qu'il allait rencontrer sa belle-fille? If you know the story of Judah. Si nous connaissons l'histoire de Judas. So prostitution is not only a woman thing. A prostitution is a strange living. La prostitution ce n'est pas seulement pour la femme, mais c'est quelque chose d'étrangère. La femme étrangère. We call it kakapiopio. And the men who are into that, we call it apapu. Et les hommes qui sont dans cette pratique, on les appelle des boucs. We went to a meeting last time, the MC. On était parti à une réunion, le MC, quand on l'a vu, on dit, oh, lui, il est aussi dedans. À papou level. C'est un bouc. About you? You know, those people, you know, ces personnes, your number, they will collect it right now. Et autant numéro, ils prennent ça rapidement. You know, there's a spirit around. I don't know how to describe. Il y a un esprit avec, je sais pas comment décrire cela. One brother who sing well at your mountain. Un frère qui chante très bien. On était parti de la montagne d'Atua Mountain. On l'a renvoyé. You left de là-bas. Accra. Tu as quitté it's Accra. At Atua Mountain, you are fornicating. Pour aller prier un camp de prière, c'est là-bas. Tu es parti forniquer. One day we were going to the mountain with him. Un jour, on allait à la montagne we avec lui. There, he will come at Timota. We are going. On dit, ah, on part à Timota, nous allons. Est-ce que tu le suis? When he came, quand il est venu, on te l'agble. C'est toi-même qui va le dire. Oh, zin. Abe, enyenye, mi dare. Et tripo. You know, he like those big things. Il aime les grandes choses. The lady follow, say, ah. Il est venu avec une sœur. But if you open his mouth, mais si ou sa bouche vous chanter, think an angel is singing. Vous allez penser que c'est un ange qui chante. But the spirit of prostitution. Mais l'esprit de la prostitution était avec lui. L'a baptisé. Let's go and see this guy. Continuons. Verse 9. In the twilight, in the evening, in the black and dark night, and behold, there met him a woman. Your own, you do it be morning, it be night.
No, they do morning also. Ces temps-ci, elles le font le matin aussi. It rain more in the night. Mais c'est dans la nuit qu'il y a même la chose. If you see them in the morning, you vomit. Si tu les vois dans la journée, tu vas vomir. If you are not stable, mais dans la nuit, you si tu n'es pas stable, you are going to evangelize them. Tu vas prétendre aller les évangéliser. In the night, in the dark hour. Dans la nuit, let's go. Au crépuscule. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot. Did you hear that? Avez-vous écouté? Then met him a woman. Et voici, il fut abordé par une femme. You see, anybody that sleeps with a prostitute, toute personne qui couche avec une prostituée, you are truly a fool or a foolish person. Tu es un insensé. The description of a harlot, la description is du obvious. Prostituée, c'est clair. A prostitute does not disguise himself for you to sleep with him. He will show you everything you're supposed to get. Une prostituée te montre tout ce que tu dois avoir d'elle en même temps. You see, by the time you see the way she dressed, you should be running. Au moment où tu vois comment elle est habillée, tu devais commencer par courir. So sisters, alors les sœurs, because you are not a prostitute, that's why the Bible says you should cover yourself. Parce que tu n'es pas une prostituée, c'est le pourquoi la Bible because te demande de te couvrir. Because the daughters of Zion are not prostitutes. Parce que les filles de Zion ne sont pas des prostituées. Clap for yourself. Acclame pour toi-même. Go ahead reading. With the attire of an harlot and subtle of heart, she is loud and stubborn. Thank you. I told you that prostitution and harlotry is not a roadside thing. Je vous ai dit que la prostitution, ce n'est pas quelque chose au bord de la route, mais c'est un caractère. If you are a lady, you are stubborn. Si tu es une sœur et tu es têtue. And you are loud. Et tu es bruyante. You know the loudness of a woman? Une femme qui est bruyante. Do you know those days hairdressers are like that? Les coiffeuses sont comme cela. Hairdressers and taxi drivers. Les coiffeuses et les conducteurs de taxi. Oh, I've been preaching for them. So je le prêche. Alors je le prêche. Alors je les connais. Tell me I'm lying. Dites-moi que je mens. Hairdressers and taxi drivers. Les coiffeuses et le conducteur and de taxi. People's husband. Hey, bro, call me. Hey. Frère, call me. Frère, call me. They are loud. Elles sont bruyantes. They don't sit as a woman. No. Elles ne s'asseyent pas comme une femme. They are giving you pictures. Open their legs. Elles te donnent des photos. Elles ouvrent leurs entrejambes. Elles te montrent tout. Most hairdressers, when they finish work, they don't go home. La plupart des coiffeuses, après le travail, ne vont pas à la maison. The small towel we use to clean our sweat. Les petits serviettes qu'on utilise pour nous essuyer, elles they ont have dans le sac. Extra pants. Elles ont des caleçons comme en they have a sponge in. Elles ont leur éponge dans le sac. Most of the time, they don't take extra cloth. Because when they go there, they share their Lacoste with the boy. La plupart des temps, ils ne prennent pas beaucoup d'habits. Parce que quand ils vont là-bas, ils vont partager l'habit avec le garçon. Nico, you know what I'm talking about. Is anybody have worn your dress before? And when they do too, est-ce qu'elle fait aussi? Saturday morning, they will come and buy watch. Les samedi matin, va venir acheter watch. They know. And they will raise the Lacoste color. Et le col they will wear du Lacoste. The guy's slippers. Ils vont porter les tapettes du their leg du are small. The slippers of the guy is big. You know the way I wash here. Le pied est petit, mais les tapettes sont plus grosses qu'elle. Donc tu sais que elle est partie coucher quelque part. So prostitution is not a roadside thing. À la prostitution, c'est pas au bord de la route, mais c'est un caractère. She's loud and she's stubborn. Elle est bruyante et têtue. So you can be in church, you are loud and stubborn. Alors tu peux être à l'église, tu es bruyante et têtue. You are everywhere. Tu es partout. Tu sautes partout. Issue that doesn't concern you. What didn't happen? Les problèmes qui ne te concernent pas. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Very loud. Très bruyante. Let's go. Continuons la lecture. Her feet abide not in her house. Thank you. Ses pieds ne restent jamais dans sa maison. Time we come to your house, à chaque fois qu'on vient chez toi, tu n'es pas présent à la maison.
You know, there's a spirit riding her. Il y a un esprit qui la conduit comme un cheval. Her feet is not in her house. Ses pieds ne se trouvent pas dans sa maison. Some of you have destroyed your youthful age. Certains, vous avez détruit votre jeunesse. Yes, true. C'est la vérité. And no wonder you don't have a secret place. No wonder you can't go on a retreat. It's like they are punishing you. Raison pour laquelle tu n'as pas un lieu secret, tu ne peux pas aller en retraite spirituelle. C'est comme si on te punit. In the old mission, there are times Mama will be in the house. 2 weeks, he has not come outside. Dans l'ancienne maison missionnaire, maman peut rester à la maison 2 semaines et ne met pas pied dehors. We are not coming to church. Si ce n'est pas qu'on vient à l'église. But today's girl, mais les soeurs d'aujourd'hui, there's a new mall here. Ah, il y a un restaurant quelque part, un nouveau there's restaurant. A Chinese restaurant. Ah, il y a le restaurant chinois ici. On doit aller au supermarché. But they're flying around. Elle volatile partout. And you are in the house. Et tu es dans la maison. Can you imagine I'm in the house? Je suis à la maison. Some ladies who come so et une soeur we are, I'm your wife's friend. Ah, je suis l'ami de ta me, femme. Who am I to you? Je suis qui pour toi? We have never seen anybody since we married. The person who just appeared. You are depuis qu'on est marié, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est apparu. Ah, je suis. We are not bored. We are not bored. But you, I don't know. That's a hollow true way of living. C'est une façon de vivre qui est la prostitution. You got to a new community. You know everybody in the community. Tu arrives dans un your nouveau quartier. Tu connais tout le monde. Ton mari vient. Tu es où? I'm in my neighbor's whatever. Ah, je suis dans le salon de mon voisin. One of our pastors. L'un de nos pasteurs. Have an issue with the wife. A eu un problème avec sa femme. One of our branches. Dans l'un de nos branches. When we talk like that, people will be saying, "Who is the thing? Is it Haria or Paco or Sammy?" One of the branches. L'un des branches. The woman, the Osofu mommy, was watching television in the boys' room. La femme du pasteur était en train de regarder la télé dans la chambre d'un autre garçon. My pastor said, "Dear." Et le pasteur dit, "Ah, ma chère, I don't like that." Je n'aime pas ça. And then, since you don't have television in the house. Yeah, go and watch on. Ah, comme on n'a pas la télévision chez nous, moi j'irai là-bas pour regarder. But this my pastor know that boy he do run things in the area. He just sleep with boy, girls. Ah, mon pasteur savait que ce jeune homme là, il ne fait que tirer sur tout ce qui bouge. So we have to come to the issue. Alors, on doit rentrer dans ça. Like la sœur, tu peux pas te comporter comme ça. Oh. Some of you pastors you want to marry, you want to marry Portos, you want to marry nose. You see what you are carrying. Épouser le nez, ils veulent épouser les fesses. Voici ce que vous allez transmettre. Marry God in the sisters, not the Portos. Épouse Dieu dans la sœur, pas ses fesses. If the person carry God, carry Portos, maybe who the hell is. Si la personne transporte Dieu à les fesses, ah, tu es sauvé. But some people they will leave God and be looking at high. Mais certains vont laisser face. Dieu et vont commencer par analyser le visage, les poitrines. Why do you like it? Why do you like her? Pourquoi l'aimes-tu? Pourquoi l'aimes-t-il? Pasteur. The guitar shape. Elle a une forme de guitare. Sister, why do you like him? Ah, la sœur, pourquoi tu l'aimes? He have hair on his chest. Il a beaucoup de cheveux sur sa poitrine. Il a beaucoup de poils sur sa poitrine. I told you that most people have hair on their chest. They will normally lose the one on their head. Je vous ai dit que ceux qui ont by experience, ask Mr. John. La plupart de ceux qui ont les poils sur la poitrine deviennent chauves après. Ask Pastor Isaac in la Côte d'Ivoire. Demandez au Pasteur Isaac en Côte d'Ivoire. Ah, Pastor Christian. Ah, yeah! Yeah! Yeah, I'm not lying. Christian say, oh, yeah. This is a living testimony. C'est un témoignage vivant. It's like they remove everything here, they put it here for them. C'est comme si on enlève tes cheveux pour le mettre sur ta poitrine. And you are just there.
Me, I want a man that is hairy. Moi, j'aime un homme velu. Go and marry a monkey. Va épouser un singe. You know, so that you let us free. Let's continue. Comme ça, nous sommes en paix. Continuons la lecture. Now is she without? Now in the streets. She lieth in wait at every corner. So she caught him and kissed him. And we can't jump that one. On peut pas sauter cette partie là, verset 13. She caught him. Kiss me back, why? Elle le saisit, embrasse-moi un peu. Oh oui, and yes, Paul, even Paul say holy kiss. Même ben non, ça c'est rien. Même Paul a dit un baiser saint. She's the one activating the kissing. C'est elle qui demande qu'on l'embrasse. Elle active la chose. So sister, see you tomorrow. Sœur, on se voit demain. Hein? Oh, is that all? Oh, c'est tout. Oh, bra. On va s'arrêter là, frère. Is that all? Oh, c'est tout. So you are not romantic. Tu n'es pas romantique. Romantic is a spiritual gift, Anna. Bissau. Le romantique là, c'est un don spirituel. Be romantic is a spiritual gift. Romantique là, c'est un don spirituel. You are not romantic. Tu n'es pas romantique. Yeah, same old. And holiness sisters too. You are not romantic. Is it spiritual gift? Est-ce que le romantique est un don spirituel? What gift? So she grabbed the guy. Elle a saisi and kissed. Le jeune homme. Il l'a embrassé. Let's go. Continue la lecture. And with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me. Yes, yes. You see, there are times for you to deliver your soul as you are reading it. Des fois, talking to the scriptures. Quand tu veux te délivrer, you are lying. Parle. You can't deceive me. Au verset, non, tu mens, tu peux pas me décevoir. You see, you have a peace offering. You see, what he meant by that? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? I will do you well. Oh, je vais te faire du bien. You know, why some married men are following some girl? Pourquoi est-ce que des hommes mariés suivent des sœurs? The girl have showed them something. La sœur lui a montré quelque chose. That's the peace offering. Et c'est l'offrande d'action de grâce. And some of you have turned your wife a harlot in your own house. Et certains ont transformé leur femme en prostituée dans leur propre maison. You are telling Debia, if they hold you, yet they like wood, like wood. You are telling Dieu a la, holy woman wood. Une femme sainte, tu lui dis, Dieu, là, quand on te touche, tu es comme un bois. So she too, she doesn't have wisdom. Et comme elle aussi n'a pas la sagesse, she will go and learn things. Elle va partir apprendre des choses. Can you imagine you were a chorister and meko leader? Women's leader who bought sexual position man who kunu and who brasso. Can you imagine? Peux-tu imaginer que tu es sexual position? Can you imagine? Je how can the Holy Spirit use me? Les positions sexuelles. Comment est-ce possible? And some people are using their tongue. Et c'était utiliser leur langue. The private side of their pour la partie privée de leur femme. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Holy Spirit. Which Holy Spirit? Le Saint-Esprit. Ah, quel Saint-Esprit? How come? Comment est-ce possible? How come? Comment est-ce possible? So what is the honor to the woman? Alors où est l'honneur pour la femme? Most guys have wasted their life with prostitution. Parce que la plupart des garçons ont not détruit leur vie avec la prostitution. Maintenant qu'ils ont gagné la sœur en Christ. No wonder by the time you are growing, she starts walking like this. Quand elle grandit et vieillit un peu, commence à marcher d'une façon. Which pleasure do you want? Quel plaisir désires-tu? Many people are born again, but their born againism didn't touch their sexual life. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, that's mais leur nouvelle naissance ne touche pas la partie sexuelle. Mais leur vie sexuelle, ils l'ont donnée au diable. They are not born again in that side. Ils ne sont pas nés de nouveau de ce côté. One of my son, before l'un de mes fils, avant we qu'il went se marie, to his fridge. Ils sont partis dans son... not see. I told you. Yeah, we see that thing. Say, oh, yes. Hey, mama, I said, eh? I didn't even bless the marriage yet. Je n'ai pas encore béni le mariage. But he get bullets. Mais il a des balles. Can you imagine
what these holiness brothers are thinking of you. Savez-vous when they say, ce que ce frère wow, saint pense de can toi? Can you imagine what they are thinking? Quand il dit wow, ce qu'il pense dans sa tête, est-ce que tu sais? We went to his fridge. On est parti dans son there frigo. Were bullets there. Il y avait des balles là-bas, des petits colas. You the chop song. It boosts immune system. Okay, is that the mind by which you are eating it? Est-ce que c'était la pensée que tu avais? Pastor, even me, I used to eat it. To do what? It treat voice. Ah. Serious. Ah, surrender. Oh. Ah. Please read. Let's go. I have my peace offerings with me. Mm-hmm. This day I have paid my vows. Mm-hmm. Therefore came I forth to meet thee diligently to seek thy face, and I have found thee. Can you imagine peux-tu that imaginer que brothers have prostitutes their numbers? Que des frères ont les numéros des prostituées. She called you my client. Elle t'appelle mon client. What is she selling for you? Elle te vend quoi? My customer. Mon client. She's selling what for you? Qu'est-ce qu'elle te vend? Go ahead quickly. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen from Egypt. I have perfumed my bed. You see the Egyptian living. Go ahead. La vie égyptienne. Flattering. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until the morning. They call it love, but it's poisonous. Il appelle amour, mais c'est du poison. You know the devil has turned everything upside down. Le diable a renversé la tête à tout. The thing that is fornication is we are making love. La chose qui est fornication, il disait, nous faisons l'amour. He have managed to give him a nice word. Il a fait de sorte de lui donner un nom, un joli nom. You are living an immoral life, so we are dating. Tu vis une vie immorale et tu dis non, nous sommes en relation. Go ahead quickly. Let us solace ourselves with love, for the good man is not at home. He is gone a long journey. He had taken a bag of money with him, and he will come home at the day appointed. 21. With her much fair speech, she caused him to yield. With the fluttering of her lips, she forced him. He goeth after her straight away, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks. I will. Till I will. Say, Lord, deliver me from foolishness. Dis, Seigneur, délivre-moi de l'idiotie. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. And this thing we are talking about, you see men. Et ce dont nous parlons, vous allez voir des hommes. Who are doing well in business. Qui le font très bien comme une affaire. No, no. You see men who are doing well in business. Des hommes qui réussissent dans leurs affaires. You see men who have a large following. Des hommes qui ont une foule qui les suivent. But they are just idiots when it comes to sex. Mais ce sont des idiots, des insensés quand il s'agit du sexe. Pastors are begging. Les pasteurs supplient. While they have their wife. Quand ils ont leur femme. One day we were praying. Sunday after church. Un jour, prière, dimanche Lord après l'église, et le Seigneur m'a dit, Sunday is one of the terrible days for me and my church. Il a dit, dimanche est l'un des jours les plus terribles pour moi et mon église. That when the pastors they finish preaching, que lorsque les pasteurs finissent they de prêcher, to the hotel and the church members they sleep with one another. It's Sunday. Ils vont dans les églises, ils vont dans les hôtels et avec les membres de l'église ils couchent ensemble les dimanches. You see a man doing a business. Voyons un homme qui fait une affaire. You see a man building things. You see like un homme qui construit des choses, qui bâtit when des it choses. Comes to that side, it's mais an quand animal. Il s'agit de sa vie sexuelle, c'est un animal. He doesn't have self-control. Il n'a plus la maîtrise de soi.
Because you yourself thinking, a sister is bathing and you are closing one eye. Tu as même pensé à cela. Une sœur est en train de te laver. Toi, tu vas regarder au travers de la série. Look at what we do. Regardez ce que les gens font. Some of you are here. Certains sont ici. I don't know whether I have time, but je ne sais pas si j'ai encore le temps. There are things I want to tell you. Mais il y a des choses que je veux vous dire. If you are here, you have take picture of your sexual organ and Bluetooth it or WhatsApp it. Telegram it or whatever you do to a boy. Can you imagine? Tu as pris une photo de ta partie intime. Il dit, ah, montre-moi tes seins. Come for special prayer. Viens pour une prière spéciale. And some guy too. A lady tell you. Les hommes aussi. Une take picture of your mom who they send. Envoie-moi une photo de ta partie intime. Et toi, tu envoies. I'm sorry, offering. You don't give. Offrande, tu ne donnes you pas. You don't pay tithe. La dîme, tu ne payes pas. You don't do anything in church. Tu ne fais rien à l'église. But you are sending your mais tu vois, tu envoies la photo de ta partie intime. Why will not you not be impotent? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas impuissant? If you are a sister here, si tu as une sœur ici, tu as fait marrying will be difficult for you. Le mariage sera difficile you pour must toi. Pray. Tu dois prier. So you see that the people in the church. And the people who are not on the roadside, they are worse than people on the roadside. Because the people on the roadside, they are just standing with their body. You come and take and you go. But you are not on the roadside. Your breast is in China. While your whatever, your cleavages is another place. Your sexual organ is in Dubai. You are all over the place. Scatter. Alors aujourd'hui, ceux qui sont à l'église sont plus pires que ceux qui sont au bord de la route. A guy is telling you, dear. Un homme va te dire, ah ma chère, if I don't talk to you, I can't sleep. Si je ne te parle pas, je ne peux pas dormir. Send me your breast. Envoie-moi les photos de tes seins. Attends un peu, j'arrive. Why are you laughing? Pourquoi est-ce qu'on rit? You send it. Et tu lui as envoyé. Even if the person is your wife, mais I can't tell my wife to do that. Je ne peux jamais demander cela à ma femme. Où est le respect? How can? Comment est-ce possible? How? Comment? Now you do all this in the name of the law. Tu fais tout cela au nom de l'amour. I am something of God. I'm a new creature. Je suis I am créature. The head. I'm not. You are already the tail. You are the tail of the tail. Tu es la queue de la queue. You are gone. Tu es foutu. You are gone. Tu es foutu. Which verse are we? Look at what he said. 23. Till a dart strike through his liver, as a bird hasted to the snare, and knoweth not that it is for his life. Mm-hmm. 24. Hearken unto me now, O therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her path, for she hath cast down many wounded. You see? So when you caught up with him. Alors quand tu vas avec elle, he will cast you down. Whoever sleeps elle va te rabaisser. Tout quiconque couche avec elle, tu deviens sa victime. It's many wounded. He will wound you. Il a blessé beaucoup de personnes. Elle a fait beaucoup de victimes. There's a story of this guy. Il y a l'histoire de ce monsieur. A man of God went to visit him at the prison. Un homme de Dieu était parti le visiter à la prison. 18 years old boy. Un jeune homme de 18 ans. So when the pastor met him, he said, "What brought you here?" Quand le pasteur l'a rencontré, il a dit, qu'est-ce qui t'a amené ici? He said, "Rape." Il a dit le viol. You shout right now. Tu vas crier tout à l'heure. He said, "Oh, okay. Who did you rape?" Ah, qui as-tu violé? 80 years old woman. Une vieille dame de 80 ans. If you allow sex, the spirit of sex. To get to you. Si tu permets à l'esprit du sexe 18 years, de pénétrer you are en toi, 18 years old. 18, un enfant, un jeune homme de 18 ans qui viole une femme âgée de 80 ans. Please, I don't even. No one has said this. I don't want to be laughing. Quand like je dis ça, je n'ai pas rire. What are you looking for there? Qu'est-ce que tu cherches? 18 years. 80 ans. No.
So the thing is not about the personal. There's a spirit leading. La chose ce n'est pas la personne, mais il y a un esprit qui gouverne la personne. You must misbehave for you to repeat the prisons of your house. Tu dois mal te comporter pour répéter les erreurs de ta maison. So as you are here now, what are you doing with yourself? Et comme tu es ici maintenant, que fais-tu à toi-même? I don't care what you think. Whoever say he love you and sleep with you or sleeping with you, that's not love. Je ne sais pas ce que tu penses, ça m'importe peu. Mais quiconque te dit qu'il t'aime, mais et couche avec toi, ne t'aime pas. Love. If you love, you be patient. S'il t'aime, il allait être patient. I'm telling you the truth. Je te dis la vérité. Hey, when I see you, Bibi, quand, yami, quand je te vois, il y a quelque chose qui m'arrive. Quand je te vois, quelque chose m'arrive. Like Stephen de pré. C'est comme le pasteur Stephen quand il prie. Bibi, yao, c'est. And some like, oh, if you can't kiss me, if you don't kiss me, I can't sleep. Si tu ne m'embrasses pas, je ne peux pas dormir. Hein? So your kiss is sleeping tablet now. Alors maintenant, tes baisers, c'est les médicaments, les somnifères. I heard a story from that prophet. J'ai écouté l'histoire d'un prophète. Il a dit, is it one girl from the, you know, this worldly girls? Une sœur païenne. And go to their church. Est venue à leur église. So she start coming to church. Elle a commencé par venir à l'église. Everybody know that she has been in the world, you know, party, club. Et tout le monde savait qu'elle était dans le monde. Elle and she wanted truly to give her life to Christ. Et elle voulait véritablement donner sa vie à Christ. So one day he have to come to church. So he called a brother. Alors un jour, elle voulait venir à l'église. Elle a invité un frère. No. Elle a appelé un frère. A brother of the church. De l'église. Who is part of the prayer group. Qui faisait partie du groupe de la prière. And calling that, oh, I'll pass your desk so that we all come to church. Elle dit, ok, je vais passer chez toi pour qu'on puisse venir ensemble à l'église. And the brother said, come. Et le frère dit, oh, viens. He said, when he went to the brother. Elle dit, quand il est parti chez le frère. He said, the brother slept with. The lady is telling the pastor. Oh, et c'est la sœur maintenant qui dit au pasteur. Elle dit, pasteur. That your brother. That your prayer guy. Ton, le frère qui conduit la prière dans ton église. He said, pastor, he slept with me, I'm shocked. Elle dit, hé, ton fils là a couché avec moi, j'étais choqué. And the brother didn't know the pastor is away. Et le frère ne savait pas que le pasteur était au courant. He came to church. Il est venu à l'église. Adada, adude, adida, adada, adiba, apede, adude, adia, apa. So the pastor is out talking. Et le pasteur était étonné, dit. The person is speaking in tongues, but. Elle dit la personne parle en langue. What sex can do with him? Mais ce que le sexe peut lui faire. So the worldly girl. Alors la sœur. Et c'est pasteur. Elle dit pasteur. I've been in the world, though. J'étais dans le monde. But this guy shocked me. Mais ton fils m'a choqué. And he came to church, no guilt. Il est venu à l'église sans culpabilité. Adoudé, adoudé, adada, adada, adou, adou, adou. How can you do that thing? Comment peux-tu faire une telle chose et venir à l'église conduire la prière comme si de rien n'était? No, how do you people do it? Tell me. Comment faites-vous cela? No. The pastor said the lady was shocked. Le pasteur dit la sœur était choquée. Meaning that the church is polluted. Cela veut dire que l'église est souillée. Look at the way Sonson. I saw Paulina one of the dress last time. I'm shocked. Your dresses are hanging so soon. The pastor God give you. Le pasteur que Dieu vous a donné. This small thing, no. Moi je prends les choses en considération. There's nobody in your life. Quand il y a personne dans ta vie. But now, on a vu mais maintenant. You come the thing small. Tu montes and the thing, un peu. I was there. I was, j'étais là-bas, j'ai dit hey. Are you? And you pull up blela. C'est moi qui vais le dire. It's me that will say it. I saw that thing, that yellow dress last time. I saw that. I said, so very soon, some of you, if you marry, you say, Pastor, I'm in my house. Ah, c'était dans tout vous, quand vous allez vous marier, mais pas ici dans ma top, et tu portes the macaroni top, les habits spaghetti, ou bien wear banco top. No, I say, oh, okay.
Look at the way it becomes difficult for your wedding dress to look virtuous. Regardons comment nos, nos robes de mariée sont difficiles pour qu'elles deviennent vertueuses. Il y a quelque chose qui arrive à nos sœurs lorsqu'elles se marient. They want a certain style. Elles veulent un style. If you leave them, si vous les laissez, are they watch you, girl? Are they watch you? Are they watch you? Are they watch? Yes. Some of you, I think it's good you're not married because these vous, boys are disturbing you. Je pense que c'est mieux pour when, vous de ne pas vous marier. When you don't fall in love, you are okay. Quand tu, ne, pas tombe, tu n'étais pas amoureux, tu étais bien. Now when you start falling in love, quand tu tombes amoureux, c'est maintenant que the attire you know, it is short they come. It is short les habits deviennent courtes. It is short they come. Whoever you are in this church, quiconque est dans cette you église, are planning your wedding and you are giving dates without me giving go ahead. Ton mariage, you don't know Philip Macaulay or Kokubi. Et tu as déjà la date et tu ne me dis pas. Tu me le dis pas. Tu ne me connais pas encore. As you give the dates, I will just go to Tamale. Et comme tu donnes la date, je vais aller en mission à Tamale. If you are giving dates, si tu sors, we have not sat down. On n'est pas, on s'est pas assis. You et j'ai dit oui. I'm hearing October. Et toi, tu es là, j'entends octobre, c'était dit décembre. Mission. Nous allons aller en mission. If I like, I'll just leave my phone and go mission with that telephone. Je vais Uber décider de laisser ça. Mon téléphone à la maison, je pars en mission. Vous allez m'appeler fatigué. Huh? That's not my message. Let's come to the message. C'est pas mon message. 26B. Many strong men have been slain by her. You see, when you sleep with a harlot, even though you are strong, quand tu couches avec une prostituée, même si tu es fort, tu vas tomber. Her house is the way to hell. Harlotry take strength away. La prostitution ôte la force. And destroy your future. Et détruit ton futur. Hey, you that is giving to people, you will be begging them. Toi qui donnes aux gens, tu vas commencer par les supplier pour qu'ils te donnent. Ask Samson. Demandons, allez demandons à Samson. Samson the great. Samson le grand. He became Moteto. Est devenu you know, Moteto in un mounier. A fidiura. Nikanikawa. And that's what he was doing, you know, when c'est they blindfolded him. Il était devenu you know that machine. And they blindfolded him. Et on l'a aveuglé. This man that can carry the gate of the Philistine. Ce monsieur qui pouvait soulever la porte du royaume des Philistins. One Delilah, Slim Delilah. Everybody say Slim Delilah. Delilah, mince Delilah. I've seen men cry. J'ai vu des hommes pleurer. You see? If you leave me, I'll die. Oh. Si tu me quittes, je meurs. You are dead already. Tu es déjà mort. Die, oh, how? You are gone. Tu vas mourir comment? Tu es déjà mort. Who is your Delilah? Qui est ton Delilah? And that thing too. Can you imagine? You carry money. Pouvez-vous imaginer que tu prends ton argent? To give to a witch. Pour donner à une sorcière. Eat me. Mange-moi. That's funny. That's prostitution. C'est ça la prostitution. Toi-même, tu prends ton argent Baye. Et tu vas vers la sorcière. Chop me. Mange, dévore-moi. Mange-moi. No, that's it. C'est l'explication. Non, you never thought of it like that. It's nous like n'avons jamais pensé à cela. Witch. C'est comme si tu prends ton propre argent pour they donner à une sorcière. Eat me. On prend et tu me dévores. May the Lord deliver us. Que le Seigneur nous délivre. Proverbe 6. Verse 24. Proverbe 6, le verset 24. Proverbs chapter 6, verse 24. To keep thee from the evil woman, from the flattery of her tongue, of a strange woman. Go ahead. Lust not after her beauty in thine heart,
neither let her take thee with her eyelid. You see what have happened? The issue of lusting. Le problème de la convoitise. I thank God that the verse 25 say, and then 26, is it 5? It say, 25. Yes. Lust not after her, her beauty in thy heart. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. If you know that the sister have a potos, si tu sais que la sœur and a the des potos fesses, has been tempting you, et ses fesses when you see her, quand tu la vois, do like papa, you know papa. Fais comme le canard. Hein? Dark, you see the way dark walks play. La façon dont le canard regarde la vie, on fait when comme cela. Say, brother shalom. Si la sœur dit frère shalom, shalom, tu regardes le ciel vers le ciel, tu dis shalom la sœur. In the heart. Dans ton cœur. You know. Anytime you see the sister, tu sais que à chaque fois que tu vois la sœur, you know that when you see Selena, something happened. Tu sais que quand tu vois la sœur Selena, quelque chose t'arrive. Don't join the usher because of Selena. La sœur Selena est dans l'accueil, donc ne va pas rejoindre le groupe des accueils. If it's Paulina, don't join the choir. Ne viens pas dans le groupe musical pour ta sécurité. If it's Mamna, si c'est la sœur Mamna, Felicia Asari. A.K.A. don't believe in me. Don't join the choir. Ne rejoins pas le groupe musical. But you carry yourself and you are lasting in the heart. Mais toi-même, tu vas là-bas et tu la convoites dans ton cœur. There are some dance. Il y a certaines danses. Abna can dance. Que nos sœurs peuvent God danser. Is wise. Et je dis, ah, Dieu est sage. God knows why he doesn't give something to some people. Dieu sait le pourquoi il n'a pas donné certaines choses à certaines personnes. Can you imagine? Imaginons Mambra is like peace. Que notre la sœur Mambra est comme la sœur peace. The dance Mambra does. Et les danses. Peace want to dance in this church. Mambra will dance the dance and do herself like this. I will say, ah. Ça va danser et faire la façon là. Am I teaching? Dieu est sage. Hey, can you imagine? Imaginons un peu. Mamna get body. Que la sœur Mamna a un peu de forme. Can we be in this church? Est-ce qu'on peut demeurer dans cette église? She will do the thing and do, but I'll be watching Claude. Choir director. Maybe you like it. You like it? Me myself, I don't know how to dance it. That's why he has been doing it. He will raise the arm like this. I said, ah, sister, we. God knows that you have some dance. Je sais that's que why tu he as doesn't give some things there. C'est un style de danse. C'est pourquoi il ne t'a pas donné la forme. Like this church, we can't be inside. Ah, sinon, on ne pourrait pas demeurer dans l'église. Yeah. Et à hey, holiness. La sanctification. Yo, let's reason. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. Thank you. Read that one again. For by means of a whorish verse woman. Verse 26. Read in another Bible. Some of you who even sleep with people's wife. C'était d'entre vous qui couchez avec la femme des gens. Immorality, sexual sin, drop you and you give me some bread, a piece of bread. Mami bread, waha. It should be eatable. Uh-huh. Be a mommy. You want to say what? 26. Mm-hmm. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of honoré, bread. Honoré, your question we are answering. La réponse à la question when de Pastor Honoré. Quand tu couches avec une prostituée, tu deviens un morceau de pain. Elle te réduit à un morceau de pain. Any boy want to be a piece of bread? Est-ce qu'il y a un garçon ici qui veut être un morceau de pain? Can a piece of bread have future? Est-ce qu'un morceau de pain peut avoir un futur? You see the power of a harlot. Vous voyez la puissance d'une prostituée? Flesh and blood. La chair et le sang. Man. L'homme. 32 man, age man, 40, 50. 32 ans, 34 ans. Sleeping with her. Couche avec a piece elle. Of bread. Toute personne qui couche avec elle réduit un morceau de pain. Oh, it not be me say, oh, it be Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. So brothers who pass there. Alors les frères qui sont passés là. Who a piece of bread, why? Tu es devenu un morceau de pain. Hein? If somebody call you foul.
They call you goat, you fight. Si the Bible says you are a piece of bread. Coq, tu vas vouloir te battre, mais la Bible dit que tu es un morceau de pain. Meaning that you don't have future. Cela veut dire que tu n'as pas de futur. This one like a goat is here, something I do, just eat it. Donc, si un mouton ici, on lui jette ce morceau de pain, c'est fini. Read it again, let's see. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread. And an adulteress will prey upon his precious life. An adulteress will feed upon his precious life. You are gone. Tu es fini. Say, Lord, deliver us. Dis, Seigneur, délivre-nous. Et là, c'est. Finish it. 20, what are you? 27. Mm-hmm. Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Can one walk on hot coals and his feet not be set? So is he who goes into his neighbor's wife. Some of you now, you don't go and look for. You are still single and searching. When a sister get a guy, that's when you fall in love. When a brother get a lady, that's where you lie. Some people, they are just certaines like personnes that. Sont juste là. They are single and searching. Ils sont seuls mais ils cherchent. And the searching is when you grab that they want. Et quand ils cherchent, c'est ce que quelqu'un a déjà pris là, c'est ça or ils it's veulent. When they grab you that they want. Ou c'est quand quelqu'un vient te proposer, c'est maintenant il te veut aussi. Read it again. Lisons encore. Can one go upon hot coals and his feet not be burned? If you are here, you have slept with somebody's wife. Si tu es ici, tu as couché avec la femme de quelqu'un. The verse 29, the Bible says you are not innocent. Your sin can never go unpunished. Que tu n'es pas innocent. Que ton péché ne peut pas you rester sans punition. You slept with somebody's husband. Tu as couché avec le mari de quelqu'un. Your sin will not go unpunished. Read it to 30 for me quickly. 29. So is he who goes into his neighbor's wife. Whoever touches her shall not be innocent. You hear that? Vous avez entendu? The Bible says you not be innocent. La Bible dit tu ne resteras pas impuni. Go ahead. 30. People do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet, when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. Whoever commits adultery with a woman lacks understanding. He who does so destroys his own soul. Whoever committed adultery lack understanding. Quiconque commet l'adultère so, est dépourvu de sens. So, can't explain. We can't tell you the way out without explaining the effect. Nous ne pouvons pas dire comment s'en sortir sans expliquer l'effet. Because if you know the consequence of it, that's why you easily, quickly see for deliverance. Parce que c'est lorsque tu connais les conséquences de l'acte, c'est là que tu vas rapidement chercher la délivrance. I want three guys here. I don't want to use women. Je veux trois. Pastors, come. Trois hommes devant. Thank God. Pastor Emma should be in the middle. Pastor Stephen, go there. Watch the example. Suivons l'exemple. You are not, but we are using an example, okay? Tu n'es pas cela, mais c'est this juste un pastor exemple. Jacob. Voici le pasteur Jacob. Let's say he is a prostitute. Disons que c'est lui la prostituée. Let's say this is a brother. Voici un frère. Now, he's born again. Il est né de nouveau. But he fall. Mais il a chuté. But the question is, he's falling with who? Mais la question est, il a chuté avec qui? A prostitute. Une prostituée. Paul said he that joined with a prostitute is one with. L'apôtre Paul a dit que quiconque couche avec une prostituée est une seule chair avec elle. Are you following? Est-ce que nous suivons? Apart from a prostitute, any sexual intercourse you have with somebody. À part la prostitution, tout rapport sexuel que tu as eu avec qui que ce soit. You are sharing the negative things with the person. Tu es en train de partager la chose négative avec la personne 50-50. Some people you don't have anger problem till you slept with a man who c'est have tu anger n'avais problem. Pas la colère jusqu'à ce que tu ne couches avec un homme qui avait un problème de colère. Some of you are not lying till you start sleeping with a liar. Tu ne mentais pas jusqu'à ce que tu ne commences pas à coucher avec un menteur. Some of you don't sleep, you are not a lazy person till you start sleeping with a lady
that sleeps too much. So tu n'étais pas paresseux, mais le jour où tu as couché avec une sœur qui aime la paresse, tu es devenu paresseux. The king of Israel has some God in him. Le roi d'Israël avait un des dieux en lui. Till he married Jezebel. Jusqu'à ce qu'il ne se marie Everything à Jézabel. Tout a disparu. Salomon started well. Avait bien commencé. And the Bible said the women he married to. Et la Bible a dit que les femmes qu'il a épousées ont détourné son cœur de Dieu. Sex is not a joke, people. Le sexe n'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Something just pleasurable. Ce n'est pas seulement du plaisir. Woman means we have gates onto us. Your eye, your nose. L'être humain a des portes sur lui, notre bouche, notre yeux, notre nez. Sexual organs also are gates to things to enter you. Nos organes sexuels sont aussi des portes pour que les choses nous pénètrent. One of the most contagious sickness is through what? L'une des maladies la plus contagieuse, c'est par rapport à quoi? C'est au travers du sexe qu'on l'a. It's only in sex that the three things you are. You are spirit, soul, and body. It's only in sex and worship that the three dimensional of you are operational. C'est dans le rapport sexuel que les trois êtres que nous sommes, c'est-à-dire les trois choses qui nous composent, l'esprit, l'âme et l'esprit, sont mis en action. In worship, dans you can't worship God without your spirit, without your soul, and without your body. Tu ne peux adorer Dieu sans ton âme, ton esprit et ton corps. And in sexual intercourse too, the three are present. Et dans les rapports sexuels aussi, les trois sont présentes. Think about it. Pensons à cela. Some of you, the reason why you have entered to the company of the poor is because you slept with somebody who is cursed by his foundation with poverty. The man can be a sakawa guy, but since he have the curse of poverty on him, as you have a bite of that thing, you carry some to go. Comme la personne a un fondement de la pauvreté, quand tu couches avec, tu transportes aussi cela. If you are speaking the truth right now, you tell me the dream you have after you fornicated with that girl, the dream you have after you fornicated with that boy, if you speak the truth. Si tu veux dire la vérité, tu vas nous dire le rêve que tu as fait juste après avoir forniqué avec ce frère ou bien cette sœur. But as usual, et comme d'habitude, we come to church to hear people's thing, and we are hiding our own. So voilà. Nous venons à l'église, nous écoutons pour les autres, mais nous cachons pour nous dire ah c'est lui. Now, Yema has finished sleeping with a prostitute. God forbid, anyway. C'est juste un exemple. Disons que le frère a fini de coucher avec une prostituée. And he's gone. Et il est parti. He doesn't have a touch with him again. Il n'a plus de contact avec la prostituée. You go. And still in the church. Et il est toujours dans l'église. He's still in Christ. Il est toujours en Christ. He come to church. Il vient à l'église. So, okay, I want to join a department. Il dit, ah, je veux rejoindre un département de l'église. He was sincere, he want to join. Il était sincère et véritablement il voulait joindre le groupe. But there's an timing bomb. There's something on him. Mais il y a quelque chose en lui, une bombe à retardement en lui. He didn't tell the church that il n'a pas dit à l'église que ah, fornicate. J'étais parti forniquer. He carried the thing like il a pris la chose. In the church. Et il est dans l'église avec. So in the church now. Et dans l'église maintenant. He that is or any party or fairy idea is somebody who shy. C'est quelqu'un qui avait honte. Like we have a keyboardist in this church. Comme nous avons un pianiste ici. Who was very quiet. Qui était vraiment silencieux. Till he start sleeping with ladies. Jusqu'à ce qu'il a commencé par coucher avec les sœurs. And that him make him leave the church. Et c'est ce qui l'a fait quitter l'église. We were shocked. On était choqués. Boys that we think they were wild. Les frères he que nous pensions slow que by sure. Que ils étaient bruyants, lui il était silencieux mais. When I later when I call a meeting, I'm saying, what happened to you? Say, pastor, they even travel to Koforidua to just have a sex. He and the chorister. Après je l'ai appelé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pastor Philip McCauley's church member. Pouvez-vous imaginer que un membre du pasteur Philip McCauley et une sœur sont partis voir. This sister can do evangelism. Et la sœur de papa, elle peut faire l'évangélisation. Jésus arrive, repentez-vous. Gala, international. At the travel, so I ask him, brother, if you were coming, you have accident.
Je posais la question au frère, mais vous avez voyagé au retour si vous avez eu un accident. Un jour, je conduisais et je les ai vus. J'ai posé mes yeux sur eux pour qu'ils sachent. À ce moment, il avait déjà touché l'intouchable. Even in the church, pastors, they catch him. Même dans l'église, les pasteurs l'ont arrêté, attrapé. They say, we'll tell pastor. On a dit, on va dire au pasteur. He begged them. Il les a suppliés. I don't go to again. Oh, je ne vais plus faire cela. Hey, bro, don't go. Oh, frère, ne fais pas ça, je ne vais plus faire cela. Aye. Il y a just hung them like a dress. Il les a accrochés comme des habits. He have tested something. Il a goûté, il a testé quelque that chose. He can't stop. Et il a eu goût, il ne peut plus arrêter. So if he have touched a prostitute, alors si, not in the church, s'il a touché une prostituée, il est dans l'église. Lady, je ne veux pas guy. Utiliser aucune sœur. In the church, dans l'église have maintenant, something with Stephen. Il a eu quelque chose avec le frère aussi. Now, Stephen has never gone directly to a prostitute. Le pasteur Stephen n'a jamais été avec une prostituée. But since they have sex. In sin. Mais comme ils ont eu le cesse dans le péché, Stephen is a partaker of this sin. Ah, le pasteur Stephen aussi participe à l'héritage de la prostituée. What connects Stephen to the harlot? Qu'est-ce qui connaît le pasteur Stephen à la prostituée? The middle person. La personne qui est au milieu. Some of you, the reason why witchcraft's invitation is on your chest is in your dream. You slept with somebody who is a witch or a wizard. C'est le pourquoi vous voyez les sorciers dans vos. You slept with somebody who have a touch with any of those ladies or any of those guys. Quelque chose avec quelqu'un qui a la sorcellerie. Somebody has married. Quelqu'un s'est marié. After he went to the wife. Après qu'il est parti chez sa femme. In that dream life, a spirit appeared. Dans son songe, un esprit est apparu. The spirit said, "Why are you sleeping with my wife?" Et l'esprit lui dit, pourquoi couches-tu avec ma femme? So he may not directly go to a prostitute, but the person who have touched the prostitute came to him, connect him to the spirit of prostitution. Il n'a jamais touché une prostituée. If he also go, he passes like that, and this one is more contagious than corona. Il n'a jamais touché une prostituée, mais celui qui est allé chez une prostituée l'a connecté. Alors lui aussi il a connecté une autre personne, et ça c'est plus dangereux que le corona. So what sin, sexual sin, have you committed in Christ? Alors this is where the discussion start from. Quel péché sexuel as-tu commis en Christ? C'est là qu'on doit commencer la discussion. And you are passing it to others. Et tu le passes aux autres. So the main source, the only thing the devil on, let somebody of the body of Christ touch the harlot, it's okay. The harlot can do whatever he wants to do. As long as you have the seed, you spread it. Alors le diable souhaite que quelqu'un dans l'église n'a qu'à toucher juste une prostituée. Ah, comme tu as déjà touché, tout ce qu'il veut, il peut le faire. So he said, I've never done that. I've never done that. Je n'ai jamais fait cela. Je n'ai jamais fait cela. But the union of sex, you have done that. Mais tu as été en union dans le sexe. That's why. C'est le pourquoi. It was very important. C'était très important. That we marry as virgins. Que nous on se marie étant vierges. The Bible marriage, all of them. Is virgins. Tous les mariages qu'on a eu dans la Bible, tous ceux qui sont mariés étaient vierges. Some of you have disvirgined yourself. Certains se sont déviergés. No man have touched you. You have disvirgined yourself. Aucun monsieur ne t'a touché, mais tu t'es déviergé toi-même. Concombre. Banana. Avec les bananes. Your fingers. Concombre. There are men also who have not touched a woman. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas touché de femme. They have disvirgined themselves. Mais ils se sont déviergés. So the pollution is huge. Alors la pollution est élevée. Somebody was giving some calculation of how many people watch pornographic films from the church level. Quelqu'un faisait le calcul de combien de personnes dans l'église regardent des films pornographiques. And the pornographic site, when they calculate, they made the statistic, the how many people visit a day from the church. Et quand on a fait les statistiques de combien de personnes visitent les sites pornographiques et qui font partie d'une église. Le they are making money. They are winning souls. Eux, ils gagnent de l'argent et ils gagnent des âmes. As we are here now. Et comme nous sommes ici maintenant. How many of us here? Combien d'entre nous ici? You have never watched a pornographic film before. I'm not saying now. Je ne dis pas maintenant, mais dans le passé, qui est ici qui n'a jamais regardé un film pornographique, qui n'a jamais vu? Me and the sister too. Thank you. For
Even Mr. John. Obolonsev. Pastor Christian raised two hands. You see? Mr. Anthony! I thought you are a Roman father. That's what I want. Auntie Marty. Oja, oja. Now, you see what is happening? Nous voyons ce qui se passe. Now, this thing we are talking, that's our past. Ce dont on parle, c'est notre passé. But do you know what savez-vous people are doing now? Que ce que les gens font maintenant. You see the way that thing have touched, spread. Vous voyez comment cela s'est répandu. I took the first phone last time for here. J'ai pris le téléphone du frère Cephas. I give him, I say, go and delete them. Je lui ai donné, okay, va supprimer cela. The only thing I say, you see the thing like a bomb. Tu vois la chose comme une bombe. It's a breast. C'est que tu après que tu I'm here, you see somebody propose. I say, please, Cephas. Il dit, frère. Take and go. Prends le téléphone, va supprimer. Dis, viens. Please. Pardon. Go and delete them. Va supprimer ces choses. Because the two are see. Parce my voice, go and delete them. Go and delete them. Va les supprimer. The sense spirit. L'esprit du sexe. It's a spirit that is winning a lot of souls. C'est un esprit qui gagne beaucoup d'âmes. Go. Clap for Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Proverbe 1:18. Proverbe chapitre 1, le verset 18. Proverbs chapter 1, verse 18. But they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owners. There are some people, yes, because of what they want to gain, à cause de ce qu'ils veulent gagner, they are not slaves to sexual sin. Ils sont devenus esclaves au péché sexuel. When you say what you want to gain, et quand on parle de ce que tu veux avoir ou bien gagner, because she want marriage, parce qu'elle veut le mariage, then she have to sleep with. Alors elle doit coucher avec. Others because they must pay rent. D'autres personnes c'est pour payer le loyer. They have to sleep with. Elles doivent coucher avec. May the Lord have mercy on us. Que le Seigneur ait pitié de nous. There is a question from one of the papers. Mm-hmm. No name. He said, please, Pastor, I had a dream some time ago, and in the dream, I was in the room of my uncle with my mom. So my mom was preparing me to have sex with the man. So she held my hand and laid me on the bed. But it's like I was being controlled by my mom, and I could not speak or do anything whilst lying on the bed. So the man came, and as I watched the man, I saw my uncle's face in the man, and I woke up. So please, Pastor, I want to know about the dream and how it can affect my life. Amen. Amen. The truth is that la vérité est que most of the sexual intercourse in the dream, la plupart des rencontres, des rapports sexuels dans le songe, have an effect on your physical life. Ont des effets sur notre vie. Physique. Some people have HIV AIDS without touching a physical man. Certains ont but eu they have it through dreams. Le VIH sans toucher un homme, mais ils l'ont eu au travers d'un songe. Now that thing, when you see, alors quand tu vois ces choses, the information given, l'information qui a été donnée, is given an immoral and incest information. C'est l'information de l'inceste qui a été donnée. Now such a person, maybe literally, she's not connected sexually with that uncle. Une telle personne, peut-être elle n'est pas connectée sexuellement à son oncle. But there's a desire in the uncle being revealed. Mais il y a un désir dans son oncle qui a été révélé. So when it's like that, alors quand c'est comme cela, you don't go to his room again. Tu ne vas plus dans sa chambre. You don't stay in the secret place with tu him. Ne restes seul avec because lui. Because dreams are not directly interpreted. Parce que at times they are vague. It takes the spirit of God to get the information. Les songes ne sont pas traduits ou bien expliqués directement. Il faut la compréhension de l'esprit. Another thing is that une autre chose est que either that uncle and the mother have something. Soit l'oncle et la maman ont quelque chose ensemble. Apart from that, à part cela,
Maybe there's something wizardry on the side of the uncle and on side of the mother witchcraft. Ou bien il y a quelque chose par rapport à la sorcellerie entre l'oncle et la maman. Any of the interpretations are not good. Aucune des explications du songe n'est bonne. Such a person must pray and be vigilant. Take measurement. Take decisions. Une telle personne doit prier et être vigilant et prendre des mesures. Till the ways are clear. Jusqu'à ce que les voies, la voie soit dégagée. So there's no face meaning for that, but what I've said so far, any one of them can be true. Avec tout ce que j'ai dit, il n'y a pas une interprétation claire, mais tout peut arriver. Now, when you have somebody sleeping with you in the dream, alors quand tu as quelqu'un qui couche avec toi dans ton songe, that's the way to spiritual marriage. Ça c'est la voie du mariage spirituel. And when it's happening like that, you can't marry. Et quand c'est comme cela, tu ne peux even pas if you marry, there will not be peace between you and your husband. Même quand tu te maries, il n'y aura pas la paix entre toi. After a week, there will be trouble. Une semaine après, problème. So such a person must pray one against spiritual marriage. Alors une telle personne doit prier contre le mariage spirituel. Let's take another one. Prenons une autre question. How do we run away from false marriage with someone that you were with before? And he said first, I agree, and now as we are no more together again, I don't want to honor my promises. So he went behind me to ask my hand in marriage. Asking me. That's what I am going through. And they are all waiting for me to come back to get married to the man. Marriage have to do with parent and you. Le mariage a à voir avec toi et tes parents. Now, when you say yes as a woman, quand tu dis oui étant femme, it just, let's say 30%. Disons que c'est 30%. Your love validation have to do with the consentment of your parent. Ah, pour que ta réponse soit validée, il faut le consentement de tes parents. I mean, before God, for God to accept it, your parent figure must say, okay, we are giving our daughter. Pour que Dieu l'accepte, tes parents doivent dire, okay, oui, nous sommes d'accord, nous donnons notre fille. Like the Rebecca issue in the Bible. Comme le cas de Rebecca dans la Bible. Now, after they receive whatever they receive, après qu'ils ont reçu ce qu'ils ont reçu, they have to ask Rebecca, do you accept? Ils doivent aller demander à Rebecca, est-ce que tu acceptes? Now, so, a father also cannot marry for you while you have not given your go ahead. Alors, un père aussi ne peut pas te marier si toi tu ne donnes pas ton accord. If you receive a bride price, s'il reçoit la dot, without you say yes, sans que tu ne dises oui. It's not marriage. Ce n'est pas un mariage. But this is what happened. Alors voici ce qui se passe. There are times you have not said yes. Des fois tu n'as pas dit oui. But you have accepted to sleep with the guy. Mais tu as accepté coucher avec le monsieur. You marry. Tu es marié. I want to explain that side. Je veux expliquer ce côté. There are times you have not told them yes. Des fois tu leur as pas dit oui. But after they received the bride price. Mais après qu'ils ont reçu la dot. You went to sleep with the guy. Tu pars coucher avec le monsieur. You are married. Tu es marié. You have said yes on the bed of tu as dit oui sur le lit. The sister of Rachel. La sœur de Rachel. Her name? Leah. Leah. Jacob didn't know she's the one. Jacob ne savait pas qu'elle était Leah. For the fact that they had sex and the father said yes. When it was so, here we don't do like that. You have to take this one. Vu que le père wait for the other a accepté et ils ont eu ce rapport, il dit ah ici c'est ça où tu prends. But at times church people don't tell us the truth. Des fois les membres d'église ne nous disent pas la vérité. If you just explain, give them answer by what they say, you may be misleading others who are hearing. So what we do, we open the issue just as a pastor. What normally happens? Now, in the cases like this, dans un cas comme celle-ci, like I heard, comme maybe je l'ai entendu, the lady and the guy have a certain relationship. La sœur et le frère ont une relation. There was an agreement we marry. Il y avait eu un accord, nous allons nous marier. Parents were aware. Les parents étaient au courant. So those parents, alors okay, ces parents, this is the person we see. Ah, c'est celui qu'on connaît. Maybe the guy was nice to them. Peut-être le monsieur était gentil avec les parents. Okay, we like him. Ah, nous l'aimons.
So you are not telling your parents that. Maintenant, tu dis à tes parents que. I don't want him again. Je ne le veux plus. For all you know, the sister didn't tell the parents. Ah, la sœur n'a pas dit cela aux parents. Because you know that my parents love the guy. Parce qu'elle sait, que ah, mes parents aiment le monsieur. So the guy also is playing the smart on the girl. Alors le monsieur aussi va jouer aussi la générosité. He runs since he know he have favor, they run quickly, they want to marry her. Vu qu'il sait que les parents sont dans ma poche, il est parti là-bas, je veux l'épouser. You are already fornicating. Vous avez déjà forniqué. So that place has to be explained. Ah, cette partie doit être expliquée. Of course, she's not married. Oui, elle n'est pas mariée. But these are the things that give, because somebody cannot just come to my parents and say, take and marry. Quelqu'un ne peut pas venir chez mes parents comme cela dit, ok, prenez, je marie votre fille. Nos If parents ne sont pas des idiots. The story, you know that it's beyond. Somebody say, I go, I want to marry. Take. Si nous suivons l'histoire, c'est au-delà de ce qu'on dit. Ah, quelqu'un vient frapper à la porte, je vais épouser votre fille, ils ont accepté. Non. At times, because of what we want to gain. Des fois, à cause de ce que nous voulons avoir. Women, what you want to gain. Les femmes, ce que vous voulez avoir. At times, complicating your marital life.